À deux jours du réveillon, la SNCF a donc mis à la disposition du Père Noël de France Inter un train spécial composé de 6 wagons. Il paraît que tu as commandé du chocolat, parce que je te connais. Non, j'ai commandé un train électrique en chocolat. Père Noël, bonjour. Bonjour. C'était à 14h14 précise, le départ pour les cigares visités. Je vous retrouverai sans doute dans quelques minutes dans le train. Ok. Un des wagons aménagés en studio permettait à Daniel Hamelin de recevoir en direct les nombreuses vedettes invitées. La plus importante gare de la banlieue parisienne. À chaque arrêt, le Père Noël aura beaucoup de mal à se frayer un passage au milieu de ses admirateurs et pouvoir ainsi distribuer ses cadeaux. Il est alors fort possible que le convoi ait finalement eu un peu de retard sur l'immuable horaire de la SNCF. Mais qui osera le lui reprocher à deux jours de Noël ?